Bienvenue, les deux petits Fuffy vous ont offert un bonus de 60 pièces! Hey, je vous dis quand même salut tout le monde, après la petite intro, donc je vous ai pas dit salut tout le monde à l'intro parce que je voulais juste lire le texte, voilà, pour faire un petit truc comme ça, délirant, voilà. Et donc du coup, on va essayer de faire notre tout premier épisode sur Naughty Fluffy, et là vous allez me dire, mais c'est un mensonge, tu as fait une découverte sur le jeu. Et oui, effectivement, j'ai fait une découverte sur le jeu, je n'ai pas joué au jeu. J'ai fait une découverte, c'est différent. Donc j'y ai joué, hein, mais en découverte, donc, du coup c'était pas pareil. Bon, ça c'est la même chose, hein, mais je cherche pas à comprendre, il y a des fois, voilà, j'essaye de compliquer les choses. Et donc du coup, on va essayer quand même de faire quelques niveaux, et je pense qu'on va se... Non, on va peut-être faire les niveaux du bas. Ouais, on va se faire quelques niveaux, et puis voilà, tu verras bien de toute façon, cherche pas à comprendre. Oh, vous avez débloqué le wagonnet roquette, vous pouvez l'utiliser avec des voies roquette. Alors, appuie ici pour accélérer. Bah allez, on est chaud. Je les ai défoncés. Allez, c'est parti les gars, cette fois-ci on va pas faire n'importe quoi cette fois-ci. Allez, vas-y, monte. Ou on descend. Et là on speed. Oh là 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 là. Et alors on speed, je suis un peu, on est... Ah putain. Oh, la souris elle est tellement blanche, tu vois, que du coup je suis un peu... Oh, what? Mais c'est quoi ce truc de malade? Vas-y, hop. Là on speed. Allez hop, il y a des fois je perds ma souris, hein, c'est un truc de ouf. Oh là là, mais c'est quoi ce niveau de fou? C'est un niveau de fou. Waouh, ça donne quoi? Oh, on n'a pas eu 100%, c'est dommage. Enfin, on n'a pas eu au max, là. Mais franchement, est toujours aussi plaisant, ce jeu. Hein. C'est cool, ça. Vous avez débloqué le chien. Le chien confère des cœurs lors des sauts et 8 à l'arrivée. Ouais. Allez, c'est parti, les gars, on va speeder. Waouh. Attention, là, on speed, là. Je suis un peu allé, ma souris. On va peut-être pas trop speeder non plus. Oh là là, oh. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, ma bataille? Ah, j'avais mal. Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut le faire revenir? Ouais, on les fait revenir, c'est génial. Eh, ça c'est bon, c'est une petite astuce, les gars, on peut le faire revenir. Vas-y, speed. Oh, j'ai cru qu'il allait jamais speeder, le pauvre. Oula, là, c'est bon, ça va pas assez vite, là. Oh non, dans le vide. Oh, on est dans le vide. Oh non. On va pas non plus aller trop vite. J'ai un peu peur, moi, la montagne russe, hein, je vais pas trop vite non plus. Allez, c'est parti, on speed, là. Là, on speed. Ça, c'est bon, ça. Vas-y, on clique. Oh, non. Non, mais le truc de ouf. Ah, j'ai perdu... trois personnages. Oh, j'ai perdu trois personnages. J'ai perdu trois personnages, un truc de ouf. J'avais oublié, ralenti. Ouais, c'est bon. Oh, fais pas ta chouchotte, hein. Ah, c'est quoi ça, l'autre? C'est bon, il se crache un petit peu, c'est bon. Oh, oh, je te jure. Ralentir. What? D'accord, ok. Pourquoi pas? Ouais, non, mais j'allais te le dire qu'il fallait faire de la merde comme ça. Ok, c'est bon, ça passe. Oh là là là. Ah, j'ai perdu juste. Oh non, j'en ai perdu deux. Mais comment ça se fait que j'en perds autant comme ça? Attends, oh, ma souris elle est où? Hop, vas-y, speed. Oh là là, j'ai eu plein de cœurs. Oh, regardez-moi ça, j'ai frôlé les 300, dis donc. Oh, on n'a pas perdu de personne. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, ah, là, on n'a pas perdu. Oh, mais comment ça, on en perd un, quoi? Waouh! Moi, je voulais pas en perdre, moi, bordel de merde. Non, on perd des fois, comme ça, je sais pas pourquoi, on perd des personnes. Bah, c'est pas très grave, hein, mais bon. Oh, on a fait pile 300, les gars. On a fait pile 300 et on a le parfait. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Bon, les gars, on est obligé d'économiser un max, parce qu'on a plus de sous, en fait. On a plus de sous et le problème, bah, c'est que pour pouvoir faire les missions, eh ben, il faut avancer dans le jeu et on peut pas. Ça fait mal. De une pièce en une pièce, finalement, on va peut-être arriver à 50 pièces. Hein. C'est vraiment dégueulasse. C'est super long de gagner des pièces dans le jeu.
Bon, si je veux pouvoir faire un nouveau niveau, vous savez ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'économise 50 pièces. Alors, comment on gagne des pièces? Soit en terminant les niveaux, mais on gagne tellement plus de pièces que c'est horrible. Soit en faisant des missions. Seulement pour faire les missions, il faut que j'avance dans les niveaux. Sinon, je pourrais pas faire les missions qui me demandent les objectifs, en fait. Les petits objectifs, mais trop dur à faire. Soit il faut des wagonnets en métal, ce que je n'ai pas du tout. Soit il faut aller sur le cinquième niveau d'ici, là, ou carrément le dernier, donc ça, je n'y ai pas du tout. Et donc, du coup, je suis obligé d'économiser 50 pièces, et c'est super long, parce qu'à chaque fois qu'on finit un niveau, on gagne une, voire trois pièces, si vraiment t'es un bon, mais généralement, c'est genre une ou deux pièces, quoi. Waouh. On avance, le petit, on avance. Waouh, tout ce que j'ai pris. Ouh là, ça tangue, hein. Ouh, attends. On va le récupérer, j'ai dit waouh. On n'abandonne pas un compagnon. Merci beaucoup. Allez, c'est parti, récupère. Allez, récupère pas les cœurs et tout là qui sont en l'air, c'est dommage. Combien je gagne? Regardez, une pièce qu'on gagne, une pièce. Ah non, mais c'est horrible, c'est super long. Regarde sa tête. Oh, il a une tête, mon gars. Oh putain. Non. J'ai perdu tout, quoi. Oh, j'ai tout perdu, les gars. J'ai perdu, regardez. Regardez le peu qui me reste. J'avais je sais pas combien de chiens, quelques chats. J'ai tout perdu, là, parce que ce jeu, c'est de la merde. Non, mais non. Oh, ça m'a saoulé. Non, ça m'a saoulé. Eh, franchement, ça m'a saoulé de ouf. Mais regardez-moi ça. J'ai plus rien. À chaque fois, je récupère un max de thunes. À chaque fois, je les dépense pour avoir des chiens, pour avoir plus de cœur, pour réussir à gagner plus de thunes. Et au final, à chaque fois, je me fais douiller parce que je perds tous mes chiens. Parce que je meurs comme de la merde. Et du coup, moi ça m'énerve, moi. Bon, les gars, j'ai qu'une chose à vous dire. Ne jouez, plus jamais à ce jeu. Jamais. Il ne le mérite. Mais absolument pas. C'est un truc de malade. Tout ça pour essayer de gagner un peu de pognon, là. Hein. Putain, le mec, il serait devant moi. Je cracherai à la gueule, le mec. Non, mais j'y crois pas. Le mec, tout ça pour avoir un peu de pognon, là, hop là. Il fait un truc, mais tellement dégueulasse. Regardez-moi ça, mais franchement. Alors, il faut 50 pièces, là, par exemple, pour aller à un autre niveau. Seulement tes 50 pièces, hein. Et ben, à chaque fois que tu finis un niveau, tu gagnes genre 1, 2, 3 pièces. Ok. Et plus tu gagnes de cœur, et plus tu gagnes de pièces. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais pour gagner plus de cœur? Et ben c'est très simple. Tu mets par exemple les chiens qui coûtent 3 pièces les chiens. Chaque chien coûte 3 pièces. Et après, et ben, ils te font gagner plus de cœur. Et donc du coup, après, tu pourras logiquement gagner un petit peu plus de pièces. Donc par exemple, tu as un certain nombre de cœurs, tu vas gagner une pièce. Tu en as un peu plus, tu vas en gagner 2. Tu en as un peu plus, tu vas en gagner 3. Et ainsi de suite. Et donc du coup, tu peux gagner petit à petit des pièces. Seulement le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait 4-5 fois. Ça fait une heure que je joue au jeu. Je suis toujours à 3 pièces, t'as vu? Ça fait une heure que je joue au jeu, je suis à 3 pièces. Parce qu'à chaque fois, j'économise, j'achète des chiens, voilà. Même au premier niveau, hein. Mais à chaque fois, il y a toujours une petite connerie. Au dernier moment, tu sais même pas pourquoi, il y a genre le wagon qui se retourne. Et du coup, ça le casse. Et du coup, tu perds tous tes chiens, ou pratiquement. Et donc, du coup, tout ce que t'as économisé, tu le perds en un coup, comme ça. Parce que t'as fait une petite connerie, t'as appuyé un petit peu trop vite, ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, ce jeu, tu vois, c'est un gros connard qui l'a fait, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc on supprime Nutifluffy, ouais. On y jouera, mais plus jamais. C'est un jeu de merde, n'y jouez pas. Ah ouais, non mais là je suis obligé d'être vulgaire là, parce que c'est tellement un jeu de merde. Les jeux comme ça, tu vois, à la limite Clash Royale, tu vois, c'est fait par le pognon, tu vois, c'est fait pour le pognon. Mais c'est bien fait, tu vois, c'est bien fait. Mais là, Nutifluffy, mais c'est un truc, à chaque fois tu dois recommencer le même niveau, tu recommences pour gagner un nouveau petit niveau. Tu recommences 10 milliards de fois pour gagner. Tu mets genre je sais pas combien de temps pour juste un petit niveau qui est à 50 pièces. Après il y a des niveaux à 150 pièces machin. Non mais laisse tomber. Non mais c'est de la merde. Laisse tomber, mais attends. Il y a un moment faudrait peut-être arrêter de se foutre de moi. Moi les jeux faits pour le pognon comme ça, moi je les emmerde. Non mais attends, c'est quoi ça? Moi ça m'a saoulé, les jeux comme ça là. Oh là, oh non mais attends. Moi je suis là pour m'amuser, je suis pas là pour essayer d'économiser pendant des heures et des heures. Il y a un moment c'est chiant. Ah ouais non mais c'est bon. Bon.
Et là, du coup, moi, je vais essayer sur ce, voilà. Donc, je vous conseille pas du tout le jeu. Voilà. Ne l'achetez. Enfin, ne l'achetez. Il est gratuit, mais ne le téléchargez jamais. Et n'achetez jamais de pièces dessus, bien entendu. À la limite, si vous pouvez le hacker, hackez-le. Hein. Bah ouais, si vous avez un téléphone route et que vous pouvez mettre. Je sais plus quel truc là. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Mais bon. Je crois que c'est XK. Non, je sais plus du tout. Mais bon. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo. Ça sera pas de ce jeu, hein. Ça c'est sûr que non. Mais je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous dis à ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.